Les adeptes de sensations fortes vont désormais pouvoir essayer le cinéma 5D, place des palmistes. C'est lors d'un voyage il y a 2 ans en Guadeloupe que Nathanaël a eu l'idée de ramener cette technologie et de la faire découvrir aux Guyanais. Je me suis dit, en étant en Guyane, on peut aussi bénéficier de la 5D. Et mon but, c'est vraiment offrir une autre technologie à la Guyane et tous les Guyanais. Nous allons retrouver les sièges qui bougent, donc l'immersion dans le film avec les lunettes 3D et les effets, alors une machine à brouillard, une machine à neige pour simuler la neige, une machine à bulles, une machine qui va simuler les éclairs, le laser, le feu. Pour pouvoir profiter de ce cinéma d'un nouveau genre, il faut avoir au moins 3 ans et mesurer un minimum 1 mètre. Le cinéma ambulant restera dans un premier temps à Cayenne, place des Palmistes, et se déplacera par la suite sur le territoire. Vous avez aimé ? J'ai aimé. Même si je viens de dire, j'ai toujours mon franc-parler. J'ai triché. Hein. J'ai triché. Parce qu'il y a des moments où on rentrait dans un tunnel, je me disais, oh là. Cayenne a toujours besoin d'innovation, et ça, c'est une belle innovation. Quand on sait qu'on va à Poitiers, on va au Futuroscope, et aujourd'hui, ben, c'est accessible à tout le monde. Voilà, il y a ça sur la place des Palmistes. L'innovation a un prix, 7 euros pour les adultes et 5,50 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Pour ce tarif, vous aurez droit à une séance de 10 minutes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.